Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais faire une revue sur le site Zafool. Moi, j'ai reçu des très très bons articles et ça me fait plaisir de vous en parler parce que tout ce que j'ai reçu me plaît. Voilà, il n'y a aucun flop. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Comme d'habitude. Tout d'abord, pour commencer, j'ai reçu en une semaine, très bien emballé, aucun problème. Chaque vêtement est dans chaque petite pochette zippée. Comme d'habitude, je prends des bijoux. Ils ont un large choix de bijoux et ils sont de très bonne qualité à chaque fois. Tout d'abord, pris un ensemble de médaillons, puisque je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que un médaillon sur genre un pull tout simple, par exemple un pull noir ou un pull blanc, et je trouve ça hyper beau. J'ai pris des boucles d'oreilles. Je pense que ces boucles d'oreilles là, vous les avez vues un peu partout. Donc voilà, ces petites boucles d'oreilles là, vous savez, c'est des visages un peu abstraits. Ensuite, pour continuer avec les accessoires, j'ai pris une ceinture. Parce que tout le temps, je prends des ceintures quand je commande sur Zafool. Leurs ceintures sont de bonne qualité et moi, j'en fais une collection des ceintures. C'est surtout aussi que je les abîme très très vite parce que je mets beaucoup de ceintures. Et même celle-ci est super jolie. En fait, vous avez deux boucles qui se coïncident comme ça. Pour finir avec les accessoires, donc j'ai reçu ce petit sac à dos-ci. Je trouve ça que c'est hyper pratique. Des fois, ça me saoule d'avoir des sacs à main en fait quand je sors. Puis il m'a l'air bien costaud, donc je suis contente. Donc on va enchaîner sur les habits. J'ai pas mal de fringues à vous présenter. C'est principalement des fringues d'hiver. Tout d'abord, j'ai pris ce pantalon-là. En S, c'est un peu une copie qu'on voit partout du pantalon Adidas, vous savez, avec les petites pressions sur le côté. Le Adidas me va pas, je suis beaucoup trop petite. Donc j'ai pris ce pantalon là sur Zafool, il marque super bien la taille, donc c'est un élastique assez fort, donc ça c'est bien. Il est noir et donc blanc et donc vous avez les pressions sur le côté. Il est trop long évidemment, c'est souvent le problème avec ces pantalons là. Du coup je vais aller le faire retoucher, faire un petit tourlet de quelques centimètres. Ensuite, pour continuer, écoutez, l'hiver, rien de mieux que ce genre de petit pull là, qui est un peu crop top, mais je pense qu'avec un pantalon taille haute, ça peut très bien faire l'affaire. Il a un gros col et je pense que il va me plaire l'hiver parce qu'il est hyper doux. Ensuite, pour continuer avec les pantalons un peu ordinaires, j'ai voulu commander ce pantalon là. Donc vous le savez, les tendances de cet hiver, automne-hiver, cette année, c'est tous les motifs d'animaux qui reviennent. Donc que ce soit serpent, léopard, etc. Tous ces motifs là reviennent à la mode. Vous avez les matières comme le vinyle, comme le velours. Il y a énormément de pantalons en velours, surtout qui ressortent beaucoup. Donc voilà, je suis un peu mitigée pour ce pantalon-ci. Mais la forme en elle-même est très jolie. Mais sur moi, j'ai l'impression qu'il rend pyjama en fait. Même si à la taille, il est... Franchement, c'est un des pantalons qui marque le mieux la taille, j'ai l'impression. J'aurais pensé qu'il serait un peu plus serré. Et il est beaucoup plus évasé que je le pensais. C'est un pantalon que j'aime beaucoup en soi, mais la coupe, j'ai un peu du mal. Donc je sais pas, je vais voir et puis vous verrez bien aussi. Niveau pull, je me suis un peu rabattue sur des classiques. Donc c'est ce genre de sous-pull là, des sous-pulls noirs à col roulé. Faut vraiment en avoir un dans sa garde-robe l'hiver, c'est obligatoire. Il est en maille assez renforcée, donc ça c'est super agréable. Ensuite, pour continuer, chose qui a rien à voir du tout, mais je me suis commandé une brassière de sport. Ils ont aussi un large choix niveau sport sur leur site. C'est impressionnant. Et moi qui adore avoir des habits confortables, etc. pour être chez moi, je me dis que cette brassière de sport, quand je suis chez moi, ou même pour dormir, etc., c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, elle est hyper confortable. Franchement, en ce moment, c'est les vacances. Je reste beaucoup chez moi et je l'ai tout le temps. Et puis même pour faire du sport, je pense qu'elle sera super utile. En ce moment, je suis en pleine recherche d'ensemble. Je suis plus ensemble blazer, pantalon, blazer, jupe. Je trouve ça mais tellement beau, des ensembles. Donc j'en ai trouvé quelques-uns sur Zafool. Donc on a le pantalon qui a une coupe assez ample et une matière assez fine. Niveau de la taille, c'est trop grand, mais je m'en doutais. Du coup, ceinture oblige. Ça va qu'il y ait les petites sangles là pour mettre la ceinture, c'est plus agréable. Le blazer qui va avec, le blazer qui est très beau en lui-même, dès que c'est très bien habillé, ça peut très bien passer. Est-ce que j'oserais mettre l'ensemble comme je pense l'imaginer au lycée?
Telle est la question encore, parce que ça fait quand même très très habillé. Les couleurs des motifs sortent de l'ordinaire. Donc voilà, le blazer a des légères épaulettes afin de soutenir la forme. J'ai en fait, complètement par hasard, j'ai trouvé cette salopette sur Zafool et je l'ai trouvée juste magnifique. J'ai déjà une salopette robe que je mets tout le temps et que j'adore. Et donc du coup là j'ai décidé de me reprendre une salopette. Mes pantalons, elle est hyper bien coupée, elle est ample, c'est pas une salopette jean serrée. Donc franchement, vous êtes hyper bien dedans, c'est une très bonne matière. Et franchement, ce genre de pièce, c'est toujours encore des pulls indispensables à avoir pour cet hiver. Un petit pull blanc, col montant, manche bouffante. Et hyper doux, hyper agréable, pas transparent. Donc quoi demander de mieux? Pour finir, nous avons cette petite pièce qui est une petite pièce coup de cœur. Vous le savez, j'ai reçu mes Converse Off-White, du coup je suis en pleine recherche d'habits orange. Donc c'est ce petit cache-cœur que j'ai trouvé super mignon, vraiment que j'ai pris au dernier moment. D'ailleurs je vous ai mis un look avec ce cache-cœur, le col roulé noir que vous avez vu précédemment, ainsi que la salopette et mes Converse Off-White sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans mes petites étiquettes à la une. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce que vous avez préférée durant ce haul et quelle est votre pièce phare pour cet automne, hiver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Coffee to take away. I got